Bon, bah, que dire après une soirée comme ça? Oui, il n'y a pas grand-chose à dire. On a été surclassés dans beaucoup de domaines du jeu, sur l'aspect technique, sur le mouvement, sur la récup, en fait tous les compartiments du jeu. On n'a pas su régler. Ils avaient beaucoup de mobilité dans leur milieu, beaucoup de vivacité dans le milieu. Ils avaient cette faculté de dézoner, de trouver des angles de passe. Et voilà, on a beaucoup couru après le ballon en première mi-temps. Ils ont marqué rapidement sur un but bien construit. Ça les a mis en confiance. Et on sent bien que c'est une équipe avec de la confiance. Voilà, ils enchaînent. Il y a des circuits. Voilà, nous on était en retard. Ça a été difficile. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs? On a senti qu'ils n'ont enfin, c'est même pas s'ils sont sortis des vestiaires à un moment donné, c'était tellement. Ils ont donné le bâton pour se faire battre, vous pensez, sur certains buts? Non, parce que ils étaient mobilisés, mais vous savez, parfois il y a des choses qu'on n'arrive pas toujours à expliquer. L'adversaire est bien plus fort. Les joueurs sur le terrain, ils le sentent aussi. Après, nous, une mauvaise coordination défensive entre nos sorties. On a laissé beaucoup d'espace entre deux. Et eux, sur leur jeu de vitesse dans les transitions, ils ont cette faculté de vite vous éliminer et dans des 1 contre 1 ou sur des doublements de passes, parce qu'ils ont une grande faculté dans les espaces restreints de jouer en touche de touche. Donc, je ne pense pas que les joueurs n'étaient pas prêts à jouer ce match. Voilà. On vous sent moins remonté que contre Rodez. Bah, oui, je suis moins remonté parce que les circonstances ne sont pas les mêmes. Contre Rodez, on avait fait des choses et je trouvais ça sévère pour l'équipe d'avoir perdu, même si on était entièrement responsable de ces défaites à partir du moment. Mais là, vous avez joué plus fort que vous. Vous avez joué plus fort que vous et on n'avait pas les moyens de rivaliser. Voilà, point. Non. Après, les explications, chacun aura la sienne. En fait, on n'a pas réussi à rentrer dans leur rythme à eux. Leur rythme était trop vite pour nous. Vendredi, il y a 10 jours, ça va très très vite en termes de calendrier, je veux dire. C'est victoire impérative pour vous. C'est le match où on doit réagir. Ouais, après des défaites, c'est un déplacement à Saint-Étienne. Oui, on sait très bien que on va nous attendre à domicile. On traverse une période compliquée et difficile en ce moment. Il y a sûrement des raisons, il va falloir trouver les raisons, mais il va falloir surtout soigner les têtes. On a un peu de temps pour les soigner, trouver les solutions pour ce match de Dijon qui vient très très vite, dans 48 heures, dans 3 jours au moins. Donc il va falloir trouver, voilà, il va falloir mobiliser un peu, il va falloir mobiliser tout le monde. Voilà, et il faut traverser cette mauvaise période du mieux possible. Et voilà, sans s'énerver en fait. D'autres questions? Non. Non. Merci. 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 Merci.